Bonjour à tous les amoureux de Jésus-Christ, j'espère que vous allez bien, que Dieu vous bénisse infiniment. Donc nous revenons encore avec d'autres enseignements, donc toujours sur la saga de la famille Olenghi. On s'est déjà intéressé aux enfants, maintenant on va s'intéresser à la maman, celle qui a créé cette fondation. Bon, fondation, église, voilà, je mets des guillemets parce que quand on regarde un peu les caractéristiques, ça n'entre pas vraiment dans le cadre de l'église, encore moins de la fondation. Mais on va appeler ça église hein, pour ne pas énerver les adeptes pour l'instant. Pas parce qu'on a peur d'eux, mais bon, voilà. c'est vrai qu'on s'est intéressé énormément sur les enfants, ce qu'ils sont en train de faire, mais on va s'intéresser sur la maman, parce que l'opinion publique n'arrête pas, surtout pour ses adeptes, de défendre, de dire le Dieu de maman Olenghi nous avait aidé, nous avait fait ceci. On va voir un peu, quand vous parlez des dieux là, la Bible parle de plusieurs dieux. Donc, pour essayer de comprendre vos dieux de maman Olenghi, le dieu de tel pasteur, le dieu d'ainsi... ainsi de suite. Donc on utilise vraiment cette situation pour pouvoir édifier le peuple de Dieu. Avant tout, je vais me présenter, donc avant d'aller plus loin. Donc je suis l'apôtre Harmonie, donc notre chaîne s'appelle, notre chaîne YouTube, hein, donc Centre de Gloire Emmanuel. Donc on vous invite avant tout à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas oublier, parce que parfois quand on écoute les vidéos, on a tendance à oublier de s'abonner pour ne rien rater de tout ce qu'on va publier, et surtout la cloche de notification est vraiment très importante. Donc merci d'avance. Donc cette chaîne a pour objectif d'éveiller les esprits, d'éveiller les chrétiens, de leur apprendre à marcher avec le Saint-Esprit en étant à l'écoute, en associant le Saint-Esprit dans tous leurs choix. Et surtout quand vous êtes en train de faire confiance, par exemple dans le cas des Olenghi Osho aujourd'hui, on entend beaucoup les adeptes dire le Dieu de maman Olenghi, le Dieu de maman Olenghi. Mais qui était le Dieu de maman Olenghi? Si tu n'as pas la révélation du Saint-Esprit, comment tu sais si maman Olenghi servait vraiment le vrai Dieu Tout-Puissant ou qu'il servait d'autres petits dieux? Tout simplement. Donc pour ne pas contribuer au péché de l'autre, au pacte ou je ne sais quoi, des engagements que quelqu'un d'autre avait pris, qui ne soient pas les engagements de Dieu, donc c'est vraiment important d'être à l'écoute du Saint-Esprit pour éviter d'être trompé et de glorifier un Dieu qui n'est pas ton Dieu, un Dieu que tu ne connais pas. Un Dieu que quelqu'un d'autre a signé ses pactes là-bas, avec ses conditions là-bas, ses avantages et ses désavantages, toi tu ne sais pas, mais tu fais que dire le Dieu de maman Olenghi, le Dieu de l'apôtre je ne sais pas qui, le Dieu de ceci, cela. Donc, sachez que nous avons plus de 320 vidéos pour vous enseigner, pour vous affermir, pour vous fortifier avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'aide de la parole de Dieu. Alors, on vous invite à les regarder, c'est gratuit, c'est à votre disposition. En tout cas, que Dieu vous bénisse infiniment d'avance pour ceux qui regarderont tout cela. Donc, avant de continuer, donc, comme on est toujours hein, donc, axé sur la parole de Dieu, donc, on va commenter cette affaire toujours avec... en donnant des exemples, hein, donc pour affermir le peuple de Dieu, pour vous dire, faites attention à, quand vous êtes fanatique face à un pasteur ou face à un prophète ou face à des personnes qui vous dirigent et que vous allez jusqu'à dire le Dieu d'un tel a fait ceci pour moi, mais c'est qui ce Dieu-là? Donc on va voir tout ça. Donc, avant de continuer, donc je vous invite à lire 2 Corinthiens chapitre 4, versets 1 à 6, Marc 11, verset 21, Jean 12, 31 à 33, Jean 12, 35, Jean 12, 40, Actes 26, 17 à 18, 2 Corinthiens 3, 14, 2 Corinthiens 4, 4, Ésaïe 9, verset 5. Donc, on va d'abord voir hein, donc, ceux qui marchent vraiment selon la volonté de Dieu, l'Église, comment ils traitent l'Église, qu'est-ce qu'ils pensent, comment ça fonctionne. Et puis, on va aussi nous parler d'un Dieu aussi, que souvent, on ne se rend pas compte. Mais la Bible l'appelle Dieu parce que c'est un Dieu, mais un petit Dieu quand même. Et tout. Donc, je vais vous lire. 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 1 jusqu'à 6. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde que nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Donc ça, c'est ceux qui marchent selon la volonté de Dieu dans le ministère de Dieu. Donc, ils se battent, ils travaillent dur, peu importe ce que ça implique. Donc, ils sont au service du ministère. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Donc, quand tu n'es pas une secte, donc tu n'altères pas la parole de Dieu. Quand tu es une vraie église, tu n'altères pas la parole de Dieu. Tu ne tournes pas à ta sauce, tu ne tournes pas ça à ton avantage ou au désavantage d'autres personnes. Donc tu respectes les consignes de la parole de Dieu jusqu'au bout. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé,
il est voilé pour ceux qui périssent. Par exemple, ceux qui s'étonnent qu'après toutes les preuves qui sortent concernant l'église Olangi, les adeptes continuent de rester fermes là-dessus, ben c'est parce que d'abord ils sont aveuglés et puis ceux qui sont aveuglés restent. Ceux qui sont les adeptes là, qui refusent de croire qu'elle n'était pas une bonne personne qui servait vraiment Dieu, ben c'est des personnes qui, sont, qui ne sont pas non plus adeptes de Jésus-Christ. C'est des personnes qui sont vouées à la perdition, c'est pour ça qu'ils restent accrochés, c'est normal. Donc c'est ceux qui périront avec Babylone. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle, entendez bien, pour les incrédules dont les dieux de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. On dit bien le dieu de ce siècle, ce qui est le dieu de ce siècle, c'est le diable. Pour ceux qui lisent la Bible le savent, que le dieu de ce siècle, c'est le diable. Donc on est en train de dire que Satan aussi est un dieu. Dans la Bible aussi plus loin, on nous précise aussi que Jésus est Dieu. Donc, il y a plusieurs différents dieux qu'on cite dans la Bible. Mais le Dieu Tout-Puissant, celui qui a créé la terre, qui a créé le monde, qui a créé la vie, c'est le Dieu Tout-Puissant, notre Père. Et vous avez Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et notre Sauveur, que Dieu aussi appelle Dieu. Avec un grand D, mais Satan, c'est un Dieu avec un petit D. Donc, pour montrer vraiment les niveaux de ces dieux-là. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire attention quand vous dites « Oh, le Dieu de maman Olang, il m'a fait ceci. Le Dieu de pasteur Intel a fait ceci. » Vous devez vraiment faire très attention pour savoir de quel Dieu vous parlez. Parce qu'il y a plusieurs dieux que la Bible nous cite. Je continue. Nous ne nous prêchons pas à nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Vous voyez? Donc, dans vos églises, là, quand on vous prêche autre chose, le Dieu de maman Olangi, le Dieu de ceci, ce n'est pas du tout ça. Une église qui ne prêche pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ce n'est pas une église. Donc, je répète, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons, pardon. Et nous disons, vos serviteurs, nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs. Pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Donc ceux qui restent adeptes, attachés à quelqu'un ou à quelque chose, c'est des personnes parce qu'ils sont voués à périr. Donc vous avez les irréductibles donc, qui continueront même après des preuves ou quoi, même après la révélation, même si on leur donne des songes ou quoi que ce soit, ils continueront à rester attachés à ce genre d'organisme parce qu'ils ne sont pas de Dieu tout simplement. Donc c'est pour cela qu'ils ne pourront pas adhérer à la vision de Dieu et tout. Donc on montre aussi que non, Satan aussi on l'appelle Dieu, on montre aussi que ceux qui sont vraiment, qui sont dans le ministère pour Jésus, prêchent l'évangile, ne se prêchent pas eux-mêmes, ne prêchent pas leurs intérêts, etc. Donc, vous avez Ésaïe 9, 5 aussi qui vous parle, hein, qui désigne Jésus-Christ comme Dieu, tout simplement, donc parce que je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc comme je vous disais tout à l'heure, le passage que j'ai lu vous montre qu'on parle du Dieu de ce siècle. Donc on parle de ce petit Dieu-là, le diable et tout. Mais je vais vous montrer aussi que Jésus-Christ, avec un grand D bien sûr, est aussi appelé Dieu. Donc, Ésaïe 9, chapitre 9, pardon, verset 5 me dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. » Donc, la domination se reposera sur son épaule. Attendez. Donc, je répète « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu Tout-Puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Donc Jésus est aussi appelé Dieu. Et quand vous allez voir la différence entre les versets que j'ai lus, donc là où on parle de que on appelle aussi Satan Dieu, donc le petit Dieu, donc c'est 2 Corinthiens 4, verset 4, et vous avez là où on parle de Jésus-Christ, on le présente comme Dieu, Ésaïe 9, verset 5.
Donc, faites très attention quand vous dites le Dieu d'un tel, le Dieu d'un tel, de quel Dieu tu parles? Est-ce que c'est le Dieu Tout-Puissant? Est-ce que c'est notre Créateur? Est-ce que notre Seigneur et Sauveur Jésus? Ou est-ce que c'est le diable? Et tout. Donc, tout ça repose sur la révélation du Saint-Esprit pour être sûr que cette personne que je suis en train de dire, ah, le pasteur un tel, son Dieu m'a fait ceci, de quel Dieu on parle? C'est vraiment très important de faire attention parce que nos paroles, Dieu a donné la puissance dans notre bouche de donner vie ou de donner la mort. Donc ce qu'on est en train de proclamer dans notre vie, là, si c'est négatif ou positif, ça déteint sur nous. Et en parlant de la parole de notre bouche, Jésus nous a montré, on va le dire, hein, donc Marc 21, 11, pardon, verset 21, qui me dit, et vous allez comprendre quand je vais lire pourquoi j'ai pris ce verset-là, c'est ce qui se passe actuellement avec la fondation Olingue, par exemple. Donc, toutes ces églises-là qui ne servent à rien, qui n'apportent rien de bon, voilà ce que Jésus fait. Et tout à l'heure, je parlais de la puissance de ce qui sort de notre bouche. Et Jésus a utilisé cette puissance. Donc, je vais vous lire Marc 11, verset 21, qui me dit. Pardon. Marc 11. Marc chapitre 11, verset 12 jusqu'à 14 d'abord, hein, je veux lire. Le lendemain, après qu'il fut ressorti de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouvait quelque chose et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles car ce n'était pas la saison des figuiers. Retenez bien. Jésus voulait manger et tout. Donc, quand il s'approche du figuier, il trouve que bah, le figuier n'a pas des figues. Et on nous précise que ce n'était pas la saison des figuiers. Donc, jusqu'à là, on se dit, bah, normal, il y a pas les figues dessus parce que ce n'est pas la saison. On continue. Prenant alors la parole, donc la puissance de la parole, de ce qu'on dit, prenant alors la parole, il lui dit, que jamais personne ne mange de ton fruit et tes disciples. Et ses disciples, pardon, l'entendirent. Plus loin, toujours dans Marc chapitre 11, donc retenez bien que Jésus maudit en fait hein, ce figuier. Plus loin, le verset 20 et 21 me dit, le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre se rappela ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit a séché. Au début, si vous avez bien suivi tout ce que j'ai lu, on va dire le verset que je viens de terminer. Donc, c'est Marc, hein, chapitre 11, vous allez lire 12. 12, ouais, j'ai lu le chapitre 12. Vous pouvez tout lire, hein, mais en tout cas, la partie que j'ai lue, c'est Marc. Chapitre 11, versets 12 à 14. Et plus loin, vous pourrez voir les conséquences hein, de ce que Jésus a dit. Vous pouvez le lire à versets 20 et 21. Vous allez me dire que bah, le figuier, ce n'était pas sa saison, donc c'est normal qu'il n'a pas donné de figues. Pourquoi Jésus a maudit ce figuier? Et tout. Le figuier ici symbolise, par exemple, dans le cas qu'on est en train de l'actualité, hein, dans le cas de l'actualité qu'on traite, la fondation Olingue, et tout. Donc le figuier représente cette fondation qui n'a rien apporté de bon dans la vie de qui que ce soit. C'est une fondation qui n'était pas basée sur la parole de Dieu, qui n'était pas basée sur l'évangile, encore moins sur le Saint-Esprit. Et n'avait pas pour Dieu le Dieu Tout-Puissant que nous connaissons. Parce que la Bible nous montre que finalement, il y a des grands dieux, des dieux puissants, et il y a aussi un petit dieu qu'on appelle le diable. Et tout. Donc, pourquoi Dieu maudit ce figuier? Parce que ce figuier n'a pas porté de fruits. Mais vous allez me dire, mais ce n'était pas la saison. Un enfant de Dieu porte de fruits en toute saison. Un enfant de Dieu n'attend pas que ce soit la saison de pluie qui est la pluie, n'attend pas que ce soit l'été pour qu'il y ait le soleil. Toute l'année donne des fruits. Ici, ça symbolise l'Église qui doit porter ses fruits toute l'année. Mais quand on regarde les témoignages de cette fondation, ça donne froid dans le dos. Les choses qui se passent là-bas, ce n'est pas normal. Des vies, des foyers, des vies brisées, des enfants, des femmes, des hommes brisés, etc. Abus de pouvoir, abus de ceci, abus de cela. Bah, c'est un figuier qui ne sert à rien.
Jésus-Christ a maudit le figuier a séché jusqu'aux racines. Qu'est-ce que ça signifie? Que cette fondation-là, donc 2021 en tout cas va être une année où on ne va plus en entendre parler, ça va finir donc ça va finir comme ça a commencé. Et tout. Donc bien-aimés dans le Seigneur, vous qui aimez vous attacher au pasteur, vous qui aimez vous attacher à vos églises, si ces églises-là ne sont pas des églises qui marchent selon la volonté de Dieu, c'est des églises maudites. C'est des églises maudites. Dieu les a maudits et ça va, donc jusqu'à la racine, il n'y aura plus rien. Parce qu'un arbre qui ne porte pas de fruits, c'est un arbre qui ne sert à rien. Jésus nous l'a démontré en maudissant ce figuier. Est-ce que les églises où vous allez, c'est un figuier qui donne des bons fruits? Parce que c'est quoi donner des bons fruits? Ça apporter la joie au sein du peuple de Dieu, apporter la maturité spirituelle, apporter l'enseignement de l'évangile, apporter la connaissance, la vérité, éclairer les esprits. Est-ce que vos églises, c'est ce qu'ils font? Est-ce qu'ils apportent l'amour fraternel, la solidarité, la bienveillance? Parce qu'après tout, les gens disent, le Dieu de Maman Olangui nous a apporté ceci, nous a apporté cela. Mais qui était le Dieu de Maman Olangui? Parce que la Bible me parle de plusieurs dieux. Si tu n'as pas la révélation du Saint-Esprit, comment tu fais pour savoir si Maman Olangui priait vraiment le Dieu Jésus-Christ ou elle priait d'autres dieux? Pour ne pas rester dans l'obscurité, pour ne pas rester dans la fausseté, je vous invite à être à l'écoute du Saint-Esprit, à prier, à demander la vérité de Dieu dans votre vie. Seigneur, est-ce que Maman Olangui était une servante de Dieu? Est-ce qu'elle marchait selon ta volonté? Parce qu'on entend de voir ses œuvres, on entend de voir ce qui se passe après sa mort. Dieu est en train de les dévoiler d'une façon impossible. J'ai jamais vu une secte ou une organisation être dévoilée comme ça. Les gens appellent tous les jours dans les lives qu'on voit partout, que ce soit de Marie-Laure Mwaka sous le Baoba qui est animé par la Danoise, Mamou International, TV Show. Vous avez des personnes qui appellent pour témoigner de tout le mal que cette fondation a apporté dans leur vie, dans leur famille, dans leur foyer. C'est parce que ça a été maudit jusqu'à la racine. C'est parce que c'est un figuier qui ne servait à rien, qui n'a pas apporté de fruits. C'est un figuier qui n'a pas nourri Jésus quand il avait faim. Vous croyez que nourrir Jésus, c'est quoi? Mais prendre soin des gens qui sont dans votre église. Les aider à grandir spirituellement, à être nourris spirituellement et à être nourris aussi dans la vie de tous les jours. Faites attention. Je vais citer des pasteurs, hein, mais c'est pour donner juste des exemples. Je n'ai rien contre eux personnellement. Vous avez des personnes qui vont dire « Ah, le Dieu de pasteur Roland Dallot a fait ceci. Le Dieu de pasteur Atom a fait ceci. Le Dieu de pasteur Moïse Mbillé m'a béni, a fait ceci. » Est-ce que tu connais leur vrai visage spirituel? Est-ce que tu connais leur identité? Est-ce que tu sais si Dieu les approuve ou non? Cet enseignement, c'est pour vous faire pour vraiment tirer attention. Que ce soit les adeptes de Maman Olangui ou tous les chrétiens dans le monde, arrêtez de dire le Dieu d'un tel, le Dieu d'un tel, tant que vous ne connaissez pas l'identité de Dieu de cette personne. Parce que vous allez vous retrouver à idolâtrer le Dieu de quelqu'un qui est le diable, sans le savoir. Et même si cette personne-là sert le Dieu Tout-Puissant, mais comment tu es sûr que c'est le bon Dieu? C'est le Saint-Esprit qui doit te révéler. C'est pour cela qu'à chaque fois que vous associez à qui que ce soit, à une église ou à une personne en particulier, demandez, Seigneur, qui est la personne qui est devant moi? Est-ce qu'il est sincère dans sa démarche? Est-ce que c'est toi qu'il sert ou il sert d'autres dieux? Alors vraiment, faites très attention. Un enfant de Dieu a la responsabilité de vérifier où il met les pieds. De vérifier avec qui qui est en train de nous enseigner. Qui prie pour nous? La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Jésus-Christ l'a démontré en maudissant ce figuier qui ne servait à rien. Cette fondation ne sert à rien. C'est pour cela qu'elle est en train de sécher jusqu'à la racine. C'est pour cela que ses fruits sont en train de... C'est pour cela que c'est en train de tomber, de s'abîmer aujourd'hui. C'est normal. Donc ne vous étonnez pas. Chaque chose a son temps. Dieu avait laissé la possibilité que ce soit la fondatrice de cette fondation et ses enfants de se repentir. Ils ne l'ont pas fait. Maintenant, c'est juste... les disciples sont en train de voir, les enfants de Dieu sont en train de voir comment ça a séché. Comment Babylone est en train de tomber. Alors faites attention à vous qui dites tout le temps le Dieu de ceci, le Dieu de cela. Laissez Goa à pleurer, à invoquer le Dieu Tout-Puissant pour que justice soit faite. Vous voyez maintenant ce qui se passe? Les Axa Olangui, les Kevin Kassia là, qui abusent de la confiance des autres, qui manipulent, qui font ceci, qui font cela. Vous n'avez pas écouté. Vous voyez maintenant ce qui se passe? Maintenant le Dieu de Maman Olangui est où là-dedans?
Donc le dieu de maman langue n'est pas si fort que ça, puisque le dieu de Desego a terrassé. Desego, à elle, tout seul, elle est venue terrasser toute cette fondation qui, ça fait une trentaine d'années que ça existe. Le dieu de maman langue est où? Donc finalement, maman langue ne servait pas à un vrai dieu. Moi, j'ai déjà la révélation sur son identité. Vous qui continuez encore à douter, je vous invite à prier Dieu, à demander la volonté de Dieu sur cette femme qui a fondé cette fondation. C'est quand même une fondation qui existe dans plus de 100 églises dans le monde. Avec tous les dégâts qu'on entend, donc ça veut dire qu'il y a plus de 100 pays dans le monde où les personnes sont en train de souffrir des problèmes que cette fondation a apportés. C'est pour cela que tous les gouvernements du monde devraient jeter un œil sur la fondation SIFEMSI, là, pour voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Faites très attention. On ne blague pas avec Dieu. Ce que l'homme aura semé, le moissonnera. Cette vidéo avait pour objectif d'attirer l'attention à tous les adeptes ou même à d'autres personnes qui ont tendance à dire le dieu de Maman Lingui, le dieu de Pasteur Roland Dallo, le dieu de Tunassi, le dieu de ceci, le dieu de Tibi Joshua, le dieu de vous avez aussi les autres pasteurs américains qui sont célèbres là, que je ne me souviens plus le nom. Faites attention, vérifiez d'abord quel dieu il sert, parce que la Bible me montre qu'il y a plusieurs dieux dans la Bible. Mis à part Dieu Tout-Puissant, mis à part Jésus-Christ, il y a d'autres dieux aussi. Donc, il faut faire attention à servir le bon Dieu. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et si on vous enseigne autre chose, vous n'êtes pas dans le bon chemin. Que Dieu vous bénisse infiniment. C'était l'apôtre Harmonie. Donc, n'hésitez pas à nous écrire. Hein. On a deux pages Facebook, donc apôtre Olivier Kambola officiel et apôtre Harmonie. Notre chaîne YouTube Centre de Gloire Emmanuel est à votre disposition. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquez sur la cloche de notification. On est là pour enseigner la parole de Dieu à l'aide du Saint-Esprit, à éveiller les chrétiens, à éveiller les esprits, afin de ne pas se laisser tromper par qui que ce soit, afin d'avoir vraiment un esprit qui reste critique, pas critiqué pour critiquer par haine, par colère, mais se demander, mais est-ce que Dieu est ici? Si Dieu n'est pas là, qu'est-ce que moi je fais là? Qu'est-ce que je dois faire? C'est de ma responsabilité de prendre soin de ma vie spirituelle. Donc je ne dois pas laisser n'importe qui m'enseigner, je ne dois pas laisser n'importe, je ne dois pas aller dans n'importe quel endroit au nom de haut, c'est une prière, c'est une église où on passe seulement pour prier ou quoi que ce soit. Non, là où on ne presse pas Jésus, Dieu n'est pas là. Que Dieu vous bénisse infiniment, je vous laisse méditer là-dessus et je vous dis à demain pour d'autres affermissements. La saga Olingui ne finit pas, donc on va tirer des leçons, on va décortiquer chaque situation, chaque chose qui se passe dans cette affaire pour pouvoir tirer des leçons et affermir le peuple de Dieu et leur faire grandir spirituellement. Que Dieu vous bénisse infiniment, que la joie de Dieu inonde vos cœurs. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez, ceux qui vous aiment, de ceux que vous aimez aussi, c'est très important. Que Dieu vous bénisse et je vous dis des très bonnes fêtes. À demain, Dieu vous bénisse.